Bonjour tout le monde! Donc aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo c'est mon appartement tour! Cette vidéo a été beaucoup attendue par certains et par certains pas du tout. Mais bon, pas grave, je vais quand même vous faire cette vidéo parce que déjà j'en ai envie et voilà. D'abord faut savoir que cet appartement c'est pas à nous. On l'a pas acheté, on le loue. Mais voilà quand même, on l'a bien décoré, on a bien rempli. Au début il était tout vide, vraiment il n'y avait que la cuisine et la salle de bain meublée en quelque sorte. Mais sinon tout le reste c'est nous, on a ramené, acheté, etc. Je vais vous dire de toute façon qu'est-ce qui a été là et qu'est-ce qui n'a pas été là déjà. Bah vous imaginez qu'on l'a acheté ou ramené. Donc on va commencer d'abord avec les pièces les moins intéressantes pour finir du coup avec les pièces les plus intéressantes. Bon, il n'y a pas beaucoup, il y a la salle de bain, la chambre et le salon. Tout d'abord on va commencer par la salle de bain. Donc la salle de bain, bon c'est pas le plus intéressant bien sûr. Voilà, il y a déjà deux lumières. Donc on a la lumière d'en haut et la lumière du miroir. Donc voilà, j'aime bien le miroir, il est bien bien lumineux. Donc pour filmer, etc. Bah, c'est super, même pour se maquiller. Mais bon, ce que j'aime pas, c'est que ça, c'est beaucoup trop grand et du coup, bah, j'arrive pas à bien me voir. Faut que je me rapproche énormément pour pouvoir me maquiller. Donc c'est pour ça que je me suis fait une maquilleuse en quelque sorte. Donc là, on a ça, c'est très grand. Là, du coup, en dessous de ça, on a la machine à laver qui était là déjà. On a eu de la chance, elle était là déjà. Bon, là, j'ai fait une machine en même temps que je filme. Et du coup, là, on a un placard avec tout le bordel, vraiment. Bref. En tout cas, là, du coup, on a les parfums et tout de monsieur. On a les trucs, bon, hygiène et tout ça, basique. Et donc, là, on a acheté parce qu'il n'y avait pas ça pour mettre les serviettes. Donc, on a installé ça. Moi, je trouvais ça mims. Et du coup, bah, ça, c'est de chez Ikea. Du coup bah là on a la partie à côté de l'entrée. Là c'est aussi un panier de chez Ikea pour le linge. Là on a nos deux peignoirs. La balance, je sais pas où la mettre parce qu'en dessous là-bas il y a la place. Mais le problème c'est qu'il y a déjà une balance parce qu'on a deux. Ma soeur nous a donné une. Donc là on en a deux. Et on a aussi le petit panier pliable, dépliable pour le linge, pour le prendre et le ramener à l'étendre. Ensuite du coup bah, les toilettes c'est rien du tout intéressant, vraiment rien du tout. Et la salle de bain du coup, enfin la baignoire avec tous nos produits. Là-bas il n'y a que mes masques, comme ça bah ça dérange pas. Et ici du coup on a juste shampoing et tout ça. Voilà, ça ce que j'aime bien c'est du coup, c'est vous connaissez très bien ce pommeau de douche. Genre il est très on va dire famous et du coup on l'a acheté, bah, il est pas mal. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, du coup, ça c'était la salle de bain. Vraiment, c'est la pièce la moins intéressante. Voilà. Mais j'aime bien le miroir. Vraiment, le miroir, j'aime beaucoup. Il est gigantesque. Et les lumières sont incroyables. Donc, c'est ce que j'aime bien dans la salle de bain. Après, du coup, à côté, on a du coup, à côté de la salle de bain, on a la chambre. Ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas à faire là le chemin pour arriver à la salle de bain. Voilà. Donc voilà la chambre. Vraiment c'est pas ici une pièce de ouf. Mais c'est déjà mieux que la salle de bain. On a essayé de la faire comme on peut. Le lit, bon il est de chez Ikea. Il a des rangements bien sûr. On a acheté avec beaucoup de rangements pour les draps et tout ça. Parce que sinon on n'a pas où les ranger. On n'a pas beaucoup de place non plus dans le placard ici. Après du coup bah le lit, on a beaucoup de coussins en effet. En gros il y a une histoire avec les coussins mais bon c'est pas très intéressant. Après du coup on a mon bureau qui fait aussi maquilleuse. Voilà, moi j'aime bien, je vais vous montrer tout ce qu'il y a après. Ici du coup on a le petit coin de ce petit chien tout mignon. Voilà, c'est son petit coin à lui. En gros il y a sa nourriture, sa gamelle de nourriture et d'eau avec un petit tapis en bas. Et du coup il a son petit lit, il dort lui sur le lit et nous bah sur le nôtre. Qu'est-ce qu'il y a monsieur? Qu'est-ce qu'il y a monsieur? Et par terre on a mis des tapis comme ça de chaque côté. Donc mon bureau, là du coup c'est tous mes tiroirs de beauté et tout ça. Là on a ma tablette,
pour mes cours aussi, mon ordi pour mes cours. Là, on a fait un puzzle ce samedi-là. J'ai vu l'idée chez ma soeur, j'ai beaucoup aimé. Utiliser un puzzle fait, le plastifier et l'utiliser comme tapis de souris. Et bon, j'ai aimé l'idée. Et comme Denis il a voulu faire un puzzle, on a fait le puzzle, on l'a plastifié. Et du coup, maintenant je l'utilise comme tapis de souris. Et du coup, là on a mon téléphone posé avec un truc. Là, on a tous mes surligneurs, tous mes stabilos. Ça c'est pour nettoyer du coup les écrans. Je sais pas comment j'ai pu l'abîmer comme ça avec mon ordi. En fait, en le nettoyant, ça a fait ça. Là, c'est tous les trucs, un petit cutter. Là, du coup, c'est tout ce qui est stylo, feutre. Là, c'est mon petit anti-stress. Et là, c'est gomme et tout. Là, c'est tout ce qui est post-it. On a beaucoup de post-it. On a de toutes les sortes. On a post-it coloré, post-it basique, post-it transparent. Et donc, de ce côté-là, on a le... Enfin, si vous regardez bien, vous vous rendez compte que j'ai fait partie école, partie maquillage. Là, c'est partie école. Là, c'est partie maquillage, en gros. Là, on a tout ce qui est barrette et tout ça. Donc, ils ont besoin d'un petit rangement. Là, c'est bougie pour l'ambiance. Là, c'est Moroccan Oil, crème pour les mains, pinceau, petit miroir pour m'aider des fois avec des maquillages précis. Et du coup, voilà, ça c'est mon bureau. Il y a aussi les petites lampes que j'ai installées. Faut que je trouve comment les accrocher mieux que ça parce que ça se décroche. Ça se décroche très vite. Donc, voilà, ça s'allume comme ça. Il y a plusieurs modes de couleurs. Il y a ça, ça et ça. Mais moi, je préfère celle-là. Vraiment, ça c'est ma préférée. Et du coup, bah, là, je pourrais faire des vidéos bien esthétiques, bien jolies. Parce qu'il y a la lumière et tout, vraiment... C'est un DIY, voilà, comme avoir un miroir de maquilleuse à moins de 100 euros. Vraiment, le miroir, j'ai acheté le miroir basique de Ikea qui coûte, je crois, 30 euros, si je ne me trompe pas. 30 à 50 euros. Et les LED, je les ai achetés sur Amazon à 20 euros. Donc, vous avez à peu près moins de 100 euros, vraiment moins de 100 euros. Maintenant, on va voir les tiroirs. Du coup, les tiroirs. On a le premier tiroir, tout ce qui est maquillage. Ça aussi, il faut que j'achète des rangements parce que les boîtes de box beauté, ça va un peu. Mais là, les produits de lèvres, j'arrive pas à les atteindre. Genre vraiment, je dois chercher à l'aveugle des produits de lèvres. Mais j'ai beaucoup de produits, il faut que je les range. Comme vous pouvez voir. Ensuite, là on a tout ce qui est cheveux. On a beaucoup de produits aussi pour les cheveux. Là on a les palettes. Ensuite, là c'est le tiroir dont je vous ai parlé avec plein de produits pour le visage que je peux pas utiliser parce que j'ai un traitement spécifique. Je vais vraiment dans mon traitement, j'utilise que ces trois produits. Ces trois produits contre tout ça ce que j'ai. Il faut vraiment que je trouve. Ah, et ici du coup j'ai mes bijoux. Là du coup on a tout ce qui est pour l'école. Voilà, et là en bas on a tout ce qui est électronique, donc ça c'est un vidéoprojecteur pour qu'on mette sur le mur des fois les soirs qu'on veut pas regarder sur la télé et qu'on veut se mettre juste dans le lit. Écouteurs, on a tous mes lisseurs, tous mes brosses soufflantes, bref on a tout ce qui est électronique du coup. Donc comme le lit il vient avec des rangements, il y a du coup ces rangements, j'ai choisi de faire aussi école beauté. Donc là on a tout ce qui est produits, parfums, démaquillants, lait de corps et tout. Pour pas que ça prenne trop de place dans les tiroirs parce que c'est des produits beaucoup trop grands. Et pour pas qu'ils soient sur le bureau parce que du coup ça prend de la place et du coup bah c'est pas joli un bureau beaucoup trop chargé de appareils, produits, tout ça. Et donc en bas on a tout ce qui est école, voilà. Et donc là c'est le salon, vraiment c'est ma pièce je pense préférée, j'adore le salon. Vraiment, même avec la cuisine, j'aime beaucoup, beaucoup, vraiment. Donc voilà, là c'est le canapé, canapé Ikea, table basse Ikea, tapis Ikea. Notre appartement, vraiment, c'est pratiquement tout Ikea. On adore aller à Ikea, se promener et trouver des trucs et... Ah, on veut ça, on prend. Donc là, à la suite, du coup, c'est un meuble pour la télé Ikea, bibliothèque Ikea.
Voilà. Donc, ça c'est le canapé. Il n'est pas convertible, mais il est vraiment très très confortable. Et ça va très bien avec la bève en mode beige. Et aussi, ça va bien avec le carreau, enfin, les carreaux et tout. Et c'était ou ça ou un rouge. Mais du coup, on a préféré ça. Parce qu'on a d'habitude, on met aussi des housses pour protéger le canapé. Parce que quand même, il nous a coûté vraiment 1000 euros et du coup, on va le protéger. Mais je les ai enlevés pour les laver et aussi pour la vidéo. Comme ça, vous voyez bien comment c'est l'appartement pratiquement tout le temps. Donc, le tapis, vraiment, j'adore. Il est très poufy, très confortable. Après, je sais pas comment on peut le laver s'il se salit. Parce que déjà, il est un peu sale, je sens. Je sais vraiment pas comment le laver. S'il se salit, s'il se dégueulasse. Parce que comme j'ai un chien, j'ai peur de chaque fois que je le laisse seul à la maison, qu'il me dégueulasse le tapis, qu'il se fasse sur lui et que je me retrouve avec un tapis pissé ou pire. Donc là, la table basse, on s'est déjà mis en mood automne avec la bougie. Oh purée! Même la bougie, on l'a achetée de chez Ikea. Vraiment, genre, ça fait bien décoration d'automne. Mais aussi, ça sent trop, trop, trop bon. Dessous de verre de chez Ikea aussi. Genre, je trouve que ça va trop bien avec l'appartement. Et du coup, bah, le vase, c'est aussi de chez Ikea. Ensuite, du coup. Ça, c'est le meuble télé. On a la télé. On a ici, du coup, la Switch. Oh là là, lui, il veut toujours de l'amour. Regardez, il s'est mis devant pour pas que je vous montre. Donc là, on a tous les rangements de câbles pour la télé, pour la Switch, etc. Là, on a du coup un album photo avec toutes les photos qu'on a eu avant et certaines photos de mariage déjà. Arrête! Et là, on a tous les jeux de Switch rangés. Là, on a l'imprimante. L'imprimante. Et là, c'est tous les puzzles. Parce que Denis, il adore les puzzles. Ça, faut qu'on le rende à la décoratrice. Ça, faut qu'on le rende à la décoratrice du mariage. Mais faut qu'on trouve un moment pour lui rendre. Mais du coup, pas pour l'instant, on l'a mis ici. Parce que je sais pas où le mettre. C'est fragile, ça aussi. Donc voilà. Et j'ai mis des petits cactus de part et d'autre. Pour. Voilà. Ça fait des petites plantes en plus. C'est des vrais. Ah, c'est des vrais, hein. Les pics et tout, c'était vrai. Et là, du coup, on a nos rangements de clés, nos bouts de poche en quelque sorte. Voilà, j'ai bien aimé. Genre, c'est très joli. Ça va bien avec l'appartement, ça va bien avec les couleurs. Bref, j'aime bien. Et là, du coup, c'est la bibliothèque. Vraiment, je l'adore. Elle est trop belle. Voilà, mais il faut que j'enlève quelques trucs déjà. Là, les chapeaux qu'on a eu pour le mariage. Les jeux de mariage, je sais pas quoi faire avec. On les a achetés et maintenant je sais pas quoi faire avec, vraiment. Mais bref, en tout cas là on a tous mes livres, voilà. Et là on a, pour l'instant j'ai mis Stitch pour faire en guise de pour soutenir les livres d'à côté. Ça c'est mes livres du coup pour la fac. Et du coup ça c'est le classeur qui va avec. Mais du coup, il rentre que là et que là. Mais là, c'est déjà trop beau. C'est en mode juste une étagère déco. Et voilà, donc je sais pas encore. Et là, du coup, on a tous les affaires de Groot. Vraiment, on a. Du coup, là, c'est tous ses os. Là, c'est tous ses doudous. Il joue tout le temps avec ses doudous. Il les sort vraiment. Du coup, là aussi, c'est une petite décoration de automne et tout ça. Ça, c'est ma maman qui l'a fait. Voilà. Là aussi, c'est une vraie plante. Et donc là, c'est le miroir. Vraiment, j'aime bien. Ça fait un bon spot pour les photos et tout. Genre, si on se met dans un angle, on voit bien. On ne voit que nous, on voit pas trop la cuisine et tout. Vraiment, c'est joli. Je peux faire mes photos d'outfit of the day. Voilà. Donc là, on a l'entrée avec la porte. Et ici, du coup, on a un placard avec les vêtements. Enfin, c'est plutôt ici les manteaux. De ce côté-là, c'est son côté à lui. Avec ses chaussures et bien et la laisse de Groot. Voilà. Et de ce côté-là, du coup, c'est mes manteaux et mes chaussures. Après, du coup, là, quand on rentre, c'est le salon. Le salon et à côté, c'est la cuisine. Donc, tout d'abord, la cuisine, elle est à peu près comme ça si tu regardes de loin. On voit la poubelle, on l'a mis ici, on sait pas du tout la mettre parce que vraiment dans le placard il n'y a pas beaucoup de place. Il n'y a pas beaucoup de rangement, vous voyez, il y en a plein de trucs en haut.
Mais pour l'instant, c'est tout ce qu'on peut avoir comme appartement. Mais on va essayer de peut-être trouver comment faire pour ranger tout ça. En tout cas, là, c'est le four. Il n'a pas été là. C'est nous, on l'a acheté. Voilà, là, c'est le frigo. Il est vraiment petit avec tous nos aimants. Mais il n'a pas été rempli vraiment. La seule fois où il a été rempli, c'est quand c'était avant le mariage où il y avait le photographe et le vidéaste chez nous. Et du coup, quand on avait beaucoup de nourriture. Mais sinon, il n'est jamais rempli. Après, du coup, là, c'est un placard avec en dessous du levier. Vous voyez, c'est plein à craquer. Même ça, je sais pas comment ranger. Et j'utilise pas tous les trucs. Donc, je pense que je vais faire un ménage et je vais jeter les trucs que j'utilise pas. Après, du coup, on a cette meuble qu'on a acheté de chez Ikea. Il était pas là, du coup. Mais du coup, on a acheté parce qu'on n'avait pas rangé nos couverts ni rien du tout. Donc, voilà. Et ici, on a fait, du coup, le coin au-dessus, le coin thé, café, matcha et tout ça. Donc, on a la machine à café du monsieur. Avec son café, là on a du thé, on a le sucre ici, il faut que je remplisse le bocal. On a mon fouet pour mousser et pour faire mon matcha. Là du coup on a mon matcha, en ce moment je teste la marque Anatae, j'ai testé plusieurs marques déjà. Et bah, c'est le moment de tester celle-là. Après on a du coup mon petit set et là on a du thé, voilà. Après du coup on a ce truc, c'est un bar je pense, ça s'appelle comme ça, qui était là déjà. Et du coup bah, on a essayé de faire un truc, de pas trop remplir mais quand même de l'utiliser. Après du coup on passe au dessus, là on a tout ce qui est vaisselle, là au moins c'est bien rangé. Là on a fait le ménage déjà donc là c'est bien rangé. Après du coup on a le micro-ondes et là on a popcorn. Pour les soirées, popcorn, pour les soirées de cinéma et tout. Après du coup là dessus on a tous les trucs pour condiments et tout ça. Et là j'y arrive pas, c'est trop haut, mais c'est tout ce qui est aussi pâtisserie, farine et tout ça. Et là bas on a du coup là c'est pour faire la fondue. Là c'est pour cuire le riz. Là c'est un grille-pain. Et là, là oh là là, c'est la raclette. Et du coup bah là c'est le plat. Ce que j'aime pas avec cette cuisinière c'est que du coup je peux utiliser que celui-là, le grand, parce que lui j'arrive pas à mettre quelque chose sans que ça se mette sur ça ou sans que ça se mette sur ça. Donc en gros là vraiment c'est que les petits trucs que je peux mettre ici. Et je peux pas utiliser les deux en même temps et du coup ça va claquer au sol. Et donc là on a les trucs de couteau, là on a la salière, sel et poivre. Et là c'est les... voilà. Là on a tout ce qui est ustensiles en bois, paille et baguette. Donc voilà la cuisine. Vraiment genre de loin on dirait une cuisine basique. Il n'y a pas beaucoup de à faire. Mais après que je vais bien ranger, trier tous les affaires, bah ça ira mieux je pense. Comme on est dans le salon... J'aime bien le fond. Comme on est dans le salon et tout, je vais vous montrer du coup aussi le balcon. Le balcon, on a un peu aménagé, pas beaucoup. Il nous manque une table basse. Dans le balcon, on a acheté ça de chez Ikea aussi. On a acheté genre 50€ les deux trucs en fer. Après, on a acheté genre chaque truc, chaque coussinet à part. On a des guirlandes lumineuses qu'on met ici en prisme, mais du coup, bah, quand on l'utilise pas, on les enlève. Et là, on a mon petit potager si on peut dire, ça c'est mon basilic, on adore le basilic et lui ils sont beaucoup trop bons et du coup bah j'en fais pousser. Arrête toi de t'attirer l'attention. Et là c'est du coriandre mais du coup bah je l'ai coupé parce que il a fané et tout ça et du coup bah j'ai coupé pour que ça repousse et j'attends pour voir si ça repousse, sinon on enlève tout ça et on met autre chose, on plante autre chose. Du coup bah ça c'est on va dire la vue. Voilà. Du coup bah, je coince un peu les vêtements mais là je vais mettre après de la terre et des fleurs et on va en mettre un peu genre cette part là ou de l'autre côté aussi des fleurs, j'aime bien. Et lui il adore le salon, vraiment il est, enfin le balcon il adore. En tout cas voilà tout le monde, j'espère que la vidéo vous aura plu.
Les prochaines vidéos vont du coup être dans cet appartement. Vous allez voir de plus en plus souvent du coup le fond. Vous avez déjà peut-être vu le fond, mais du coup le canapé avec les housses. En tout cas, voilà, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo ou à commenter. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.